Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Didilo, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Star Wars Games. Et oui, on n'est pas en Skywars aujourd'hui, parce que voilà, j'alterne un petit peu entre les deux me font plaisir, j'aime bien faire des deux. J'espère que vous aimez bien regarder des deux de votre côté. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques petits sujets à aborder, dont un que j'avais déjà évoqué en live, hein, vous savez, mon live que j'avais fait, non pas pour un stade d'abonnés, mais tout simplement parce que j'avais envie de live, c'était un mardi, enfin de live, de streamer plutôt, un mardi soir, même si streamer c'est aussi totalement pas correct en français. Lol, attendez, je vais plutôt me mettre à 10, ça va être un peu fort, on va se mettre à 10, voilà. Donc c'était un jour j'avais envie de streamer et j'en avais un petit peu parlé en live. C'était un petit peu concernant la communauté PVP française, tout ce qui est concernant le PVP. Après, je vous parle pas de tout ce qui est survival, etc. Tout ce qui est version crack, etc. etc. Je vous parlais seulement de la communauté PVP française et j'essayais de la comparer un petit peu aux autres communautés, que ce soit les communautés anglaises ou autres. Surtout la communauté anglaise parce que je m'y connais pas trop concernant les autres communautés. Mais voilà, j'avais essayé de comparer un petit peu notre communauté française à la communauté anglaise. Et ce que j'avais dit en gros, après évidemment j'attends vos avis un petit peu dans les commentaires, hein. Ce que j'avais dit en gros, c'est que selon moi, hein, en France, la communauté PVP est divisée en une sorte de trois clans. C'est ce que j'avais dit en live pour ceux qui étaient là. Par contre, ouais, je crois qu'ici le coffre est buggé, donc on va plutôt aller tout au-dessus. Donc j'avais dit déjà le tout premier clan, c'est la grosse majorité. C'est la majorité qui joue sur Sama Games, qui joue sur Epic Cube, qui joue sur des serveurs comme ça. Donc ça, c'est à 95% des gens, je pense, ou 90% des gens. Ensuite, vous avez la deuxième communauté, c'est la communauté UHC, donc toutes celles qui geek sur UHCFR ou des serveurs comme ça. Donc ça, c'est pour moi la communauté UHC. Et ensuite, vous avez 3-4% qui restent, c'est la communauté Sorrow Games, Hive, Bad Lion et MCSG. Ou même seulement Hive Bad Lion, parce que MCG en fait il y en a tellement un peu que pas du tout en fait. Donc voilà, en gros pour moi c'était plutôt ça. Donc vous aviez la communauté Epicube Sama Games qui aime bien les PVP swap. Vous aviez la communauté UHC, donc toute la communauté UHC c'est genre les Gwep, les Pip4Me, vous voyez tous ces youtubeurs là. Donc ça c'est la communauté UHC, et à côté vous avez la communauté Sorrow Games qui elle est beaucoup plus restreinte que les deux autres. Où vous avez genre 3-4% des gens. Voilà, si je vous dis, est-ce que vous là qui regardez derrière votre écran, si vous jouez au jeu évidemment, hein. Si vous y jouez pas, bon évidemment que non, mais si vous jouez au jeu, de quelle communauté vous faites partie, je suis sûr que voilà, pour les 95% d'entre vous, vous faites pas partie de la communauté Survival Games. Peut-être que vous en faites de temps en temps, vous faites un Hunger Games sur Epic Cube de temps en temps, mais voilà, c'est pas ce que j'appelle la communauté SG. Donc voilà pour moi. Après évidemment j'aimerais bien attendre votre avis dans les commentaires. De toute façon c'est pas un gros sujet, c'était juste histoire d'avoir quelque chose. D'histoire d'avoir un petit sujet aujourd'hui. Par contre j'ai juste une épée en bois, c'est un peu dommage, surtout qu'il a une rod, il est en train de me infliger du knockback, ça va m'empêcher de le tuer. Ouais, il va courir pendant des années malheureusement. J'imagine qu'en plus qu'il a une meilleure arme que moi, parce qu'il était au spawn à mon avis, il s'est crafté une arme. Ou par contre il a pas l'air de savoir ce qu'il fait concrètement. Ok, il a une arme toute pourrie, je sais pas si je suis content en fait qu'il ait une arme toute pourrie, parce qu'une fois que je l'aurais tué, what? Ok, le mec hyper confiant, une fois que j'aurais tué, tu sais. Ouais, parce que du coup, maintenant, j'ai pas une arme géniale. S'il avait eu une bonne arme... Ok, par contre, oh, il pouvait se faire une épée en diams. Oh, il doit tellement avoir le seum. Le pauvre, il pouvait se faire une épée en diams. Et finalement, bah, quelqu'un est venu le tuer. Donc du coup, on va aller se faire cette épée en diams. Donc voilà, c'était juste histoire d'avoir un petit sujet à aborder dans cette vidéo. Et j'en avais un autre évidemment, mais j'ai totalement oublié le deuxième sujet dont je voulais vous parler. Donc c'est pas très très grave, hein. Oh! What? Et je vous jure, j'ai cru voir une stone sword sur ma droite. Bon, apparemment, il n'y en avait pas. Vous avez dû me prendre pour un vieux fou, mais apparemment... oui, bah j'ai à mon avis. C'était très étrange. Non, il n'y avait pas de stone sword ici. Par contre, il y a un pseudo vers le sol. Je suis jamais trop allé dans les souterrains de cette map. Je crois que j'ai jamais gagné de ma vie sur cette map. Ça peut paraître un peu dingue. Mais il me semble que j'ai jamais gagné sur Demon's Breeze. Donc, ça serait une première aujourd'hui de gagner sur cette map. Voilà, je vais essayer pendant les vacances. Ah oui, le deuxième sujet dont je voulais vous parler dans cette vidéo, on va attendre de régénérer un petit peu avant d'aller se fight le mec. C'est que je vais sans doute faire des tutoriels command block pendant les vacances, donc seulement pendant les vacances, hein. Désolé si dans mon pseudo j'ai command block en fait, hein, alors que je fais plus du tout de command block. C'est tout simplement parce que je peux plus changer mon nom à cause de Google au bout d'un certain moment. Non, 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 non. Ok, on va faire ça.
Ok mon gars, tu veux pas te fight? Sincèrement, je vais aller dans un endroit plus sécurisé pour te fight parce que là il y a de la lave et tout autour. C'est pas du tout sécurisé. Par contre, j'ai plus de mon FNS. Je pensais qu'il durerait un petit peu plus longtemps, mais apparemment pas du tout. C'est pas très grave, hein, écoutez. Alors, on change d'avis. Il va me faire tomber dans la lave, sauf que je suis pas un abruti à ce point, malheureusement pour lui. Ouais, bah écoutez, on va attendre le deathmatch ou alors on va aller tuer quelqu'un d'autre parce que j'ai vraiment pas envie de fight ce mec. C'est typiquement le mec qui veut absolument, quoi qu'il arrive, vous foutre dans la lave. Donc j'ai vraiment envie de prendre des précautions avec ce joueur-là. Donc je ferai sans doute des tutos dans les command blocks pendant les vacances parce que c'est vrai qu'en semaine, je préfère vous tourner des vidéos PVP plutôt que des trucs command blocks. Et donc maintenant que j'ai un peu de temps pour vous tourner des vidéos, je pense que je vous ferai un petit peu de tuto command blocks, surtout pour ceux qui en ont besoin parce que j'en reçois beaucoup. Ouais, non, par contre, ça va pas le faire du tout là. Voilà, on va plutôt leur foutre un petit combo comme ça. C'est quand même plus sympa que de mourir contre un mec qui avait une moins bonne épée que moi. Ah, les boots par contre. Ok, les boots, elles sont sans doute là. Donc on commence à être bien pour ce SG, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, j'espère, si j'y arrive, j'essaierai de vous poster des vidéos tous les jours. Alors attention, mon Internet Explorer bug en ce moment, et j'ai plus accès à TeamSpeak, à Skype, à Internet Explorer et à Firefox. Donc je suis obligé de vous poster des vidéos via l'ordinateur de mon père, l'ordi portable de son travail. Donc c'est hyper compliqué pour vous poster des vidéos. Donc c'est pour ça que voilà, ça va être assez compliqué, mais j'essaierai, je dis bien j'essaierai pendant les vacances donc de vous poster des vidéos tous les jours et de temps en temps des tutos command block, puisque c'est vrai que j'en fais pas tellement quand il y a les cours. Donc maintenant qu'on est en vacances et que j'ai un petit peu plus le temps, et bah j'essaierai de vous poster des petits trucs concernant les command blocks. Voilà, sinon d'une manière générale je ferai des Skywars, des Survival Games, des tutos command block, et je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous fera bien plaisir que je fasse des vidéos tous les jours parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Et après, si j'ai le temps, vraiment si j'ai le temps, j'essaierai de les faire en facecam. Je pense que à la fin de la semaine, de toute façon, je pense que je m'y serai mis. On verra bien. C'est parti pour ce deathmatch. On va plutôt viser l'autre. Ok, donc lui est passé entre. Il est vraiment gros abruti. Ok, donc lui, par contre, il a pas l'air de savoir bouger. Le mec, je lui ai mis une flèche. Non, par contre, il se passe quoi? Juste, c'est pas une team, s'il vous plaît. Ça a pas l'air d'être des très gros joueurs, donc ça va. Lui, je sais pas ce qu'il fait du tout. Plus qu'un hit et il est mort, j'en suis certain. Voilà, merci, au revoir. Et on peut pas se faire de boots. Non, on peut mal. Oh, il fait quoi lui? Il fait quoi lui? Il fait quoi? Mon gars, il sait plus senti pisser. Voilà, bon, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très 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 bientôt, peut-être demain ou après-demain, pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de vous voir vos likes, évidemment à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, à commenter si vous avez n'importe quoi à dire, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de geeker sans pour autant trop geeker. Tchuss, c'était Didier Léo.